aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue agrémentée d'un concours. Donc je suis en partenariat actuellement avec le site Talulatou qui m'a proposé de m'envoyer pas mal de bijoux pour vous les présenter et vous les faire gagner, donc je les remercie infiniment. Donc pour celles qui ne connaissent pas le site Talulatou, c'est un site de bijoux anglais qui fait pas mal de bijoux assez sympas, assez chers. Donc c'est pas vraiment à la portée de tout le monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous organise un gros concours parce que les lots sont quand même assez sympas. Donc je vous en parlerai plus précisément à la fin de la vidéo, mais avant toute chose je tiens à vous présenter ce que la marque m'a envoyé. Donc ils m'ont envoyé vraiment pas mal de trucs. En ce qui concerne les frais de port, je ne les connais pas, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour que vous alliez voir si jamais. Donc c'est vraiment super bien emballé, donc on reçoit des petites pochettes comme ça, vraiment trop mignonnes. J'ai eu aucun problème de casse ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous les présenter assez rapidement pour pouvoir parler du concours un petit peu plus en détail, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est un bracelet qui est comme ceci. Donc c'est un bracelet de force, comme vous pouvez le voir. Couleur nacrée avec trois rangées de pics différents, donc ils sont dorés. Moi je trouve ça assez joli, c'est vrai que c'est compliqué à porter. Mais bon voilà, moi c'est mon style donc ça ne me dérange pas. J'ai oublié de le dire mais je n'ai pas choisi les bijoux que la marque m'a envoyé. Donc voilà, ils m'ont envoyé la nouvelle collection et moi j'aime ou je n'aime pas. Donc il y a certaines choses vous allez voir que j'adore, d'autres que j'aime beaucoup moins. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt joli. Ensuite un autre bracelet, donc c'est un bracelet nacré avec des petites pierres nacrées beige vraiment trop mignonnes. Et une croix assez grande qui fait le tour du poignet avec des petits diamants Swarovski dedans, des petits strass. Donc voilà, c'est assez mignon, très féminin, je trouve ça vraiment joli. Ensuite on va passer aux boucles d'oreilles. Donc la première paire je suis pas trop fan en fait. Enfin je les trouve plutôt jolies mais sur moi elles ne me vont absolument pas. Donc ce sont deux petites boucles d'oreilles avec des nœuds et des strass et des petits cœurs noirs en dessous. Donc elles sont vraiment mignonnes je trouve, mais sur moi c'est pas possible, je trouve qu'elles me vont absolument pas. Ensuite deux petits nœuds que j'adore pour le coup, donc voilà, ils ressemblent à ça, je les ai déjà portés dans une de mes vidéos. Donc ce sont deux petits nœuds avec des strass vraiment canon, enfin moi j'adore, je trouve ça très féminin, très joli. On peut vraiment le porter avec tout et c'est vraiment... voilà, j'adore. Ensuite, dernière boucle d'oreille, donc c'est assez spécial. C'est une boucle d'oreille avec une chaînette, donc en fait il y en a trois, il y a trois petites chaînettes et la boucle d'oreille ici est en forme de cœur avec un petit strass au milieu. Et vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est les boucles d'oreilles qu'on doit clipper en haut de l'oreille après. Donc c'est assez spécial, moi j'ai déjà essayé de la porter mais j'ai vraiment du mal. Je pense par contre qu'avec les cheveux attachés ça doit vraiment être super joli, donc pourquoi pas. Mais après ça dépend vraiment des goûts des gens, voilà, moi je trouve ça joli sur les autres mais sur moi je trouve ça moyen. Ensuite la marque m'a envoyé vraiment beaucoup de bagues, donc là il y a des trucs sur lesquels j'adore, enfin des choses que j'adore vraiment et d'autres beaucoup moins. Donc la première elle ressemble à ça, c'est une bague noire avec une pierre violette dessus, mais elle est tenue par des espèces de, petits serpents que j'aime pas spécialement, voilà, donc je trouve ça un peu spé comme bague mais pourquoi pas. Ensuite une bague nœud vraiment mignonne avec des petits diamants Swarovski pareil sur les côtés. Qui peut être vraiment super sympa si on porte une petite robe noire assez sobre et voilà, si on veut mettre un petit peu de couleur, je trouve ça fun. Ensuite, toujours au niveau des bagues, donc deux bagues que j'ai simplement adorées et qui vont ensemble. Donc elles ont une monture argentée et sur le dessus elles ont des petites perles et des strass, donc elles sont vraiment très jolies toutes les deux. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont très féminines, on peut vraiment les mettre avec n'importe quoi, elles peuvent faire très classe comme avec un pull, ça peut très bien aller aussi, donc je les aime beaucoup pour ça. Ensuite, ah voilà, quelque chose que j'ai juste trop adoré. Donc moi j'adore les anneaux tout bêtes, tout basiques, des trucs vraiment simples. Et j'avais vraiment du mal à en trouver qui soit pas hors de prix. Et la marque m'en a envoyé un, donc j'étais vraiment super contente. C'est un anneau assez épais quand même, en argent. Enfin je sais pas si c'est de l'argent, mais c'est couleur argent. En tout cas, je les ai portés tous, tous les anneaux, etc. Il n'y en a pas un qui s'est oxydé, donc je sais pas ce que c'est, mais sûrement pas de la ferraille parce que ça ne s'oxyde pas. Donc voilà, il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup. Et puis si je voulais vraiment en trouver un, si je me fiance pas ça va être un peu compliqué, donc voilà, mais sinon je le trouvais très joli. Et ensuite deux anneaux que j'adore vraiment beaucoup aussi. Donc c'est premièrement un anneau basique et en fait pas si basique que ça parce qu'il est torsadé. Donc je trouve ça assez fun, j'avais jamais vu d'anneau comme ça, je trouve ça vraiment mignon. Et il va avec la bague nœud qui est
également elle aussi torsadée, donc elles vont ensemble toutes les deux et je les trouve très très mignonnes. Voilà. Donc ça y est, je vous ai présenté l'intégralité des choses que l'on m'a envoyées. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir eu plus de boucles d'oreilles pendantes parce que c'était ça qui me faisait le plus envie sur le site, mais c'est pas grave, j'adore vraiment beaucoup ce qu'ils m'ont envoyé, pas tout mais une certaine partie. Donc maintenant je vais passer aux modalités du concours et à ce que vous pouvez gagner parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, premièrement il y aura 3 gagnantes. La première gagnante va gagner l'intégralité des bijoux que je vous ai présentés dans cette vidéo, et si jamais vous pourrez changer, tu pourras changer certains bijoux que tu n'aimes pas du moment que ça ne dépasse pas les 140 euros, ce qui est juste énorme. Ensuite, la deuxième gagnante gagnera un bon de 50 euros d'achat sur le site Alulatou, et la troisième gagnante, pareil, un bon de 50 euros d'achat sur le site de Alulatou, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, et aussi la marque m'a proposé de vous mettre en place un code promo que je vous marque ici. Donc si jamais vous n'avez pas la chance de gagner le concours, le code promo est toujours là. Voilà, donc maintenant on va passer aux modalités du concours. Alors premièrement, pour participer à mon concours, il faut être majeur ou avoir une autorisation parentale pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse et que je puisse la transmettre au site. Ensuite, il faut être abonné à ma chaîne parce que je le fais pour mes abonnés. Il faut aimer cette vidéo et poster un commentaire sous cette vidéo, uniquement sous cette vidéo, pas sur Facebook, pas sur Twitter, nulle part, uniquement là-dessous. Un seul commentaire pardon, durant toute la durée du concours qui est de une semaine, en me précisant je participe à ton concours commentaire, et vous me dites quel est le bijou que vous préférez dans tous ceux que je vous ai présenté dans cette vidéo, donc dites-moi ça dans le commentaire. Le concours est ouvert à l'international, donc vous pouvez habiter aux quatre coins du monde, vous pouvez participer à mon concours. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Les trois gagnantes seront tirées au tirage au sort avec le site random.org. Donc c'est un site qui tire au sort aléatoirement les commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous remettrai toutes les modalités du concours en barre d'infos qu'il faudra bien évidemment respecter pour tenter de gagner ces trois lots qui seront aussi récapitulés, ainsi que le code promo dans la barre d'infos. Voilà les filles, donc j'espère que ce concours vous fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment super plaisir que le site me contacte parce que j'avais encore jamais acheté dessus, il y avait pas mal de choses qui me tentaient, dont des choses que j'ai reçues, donc je suis assez contente. Et c'est quand même un site qui n'est pas très donné, donc c'est quand même assez cher, et je suis contente de pouvoir vous faire gagner ça aujourd'hui, d'autant plus que je vous ai pu vous mettre en place un code promo, donc ça fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment ça pour vous remercier de tous vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux chaque jour. Et pour vous remercier de tous vos gentils messages que je lis, les commentaires, les MP, les mails, etc. Je lis vraiment tout, ça me fait toujours super plaisir de voir que des gens me soutiennent. Donc voilà, c'est vraiment pour vous remercier. Je suis vraiment très fière d'avoir une si grosse communauté sur YouTube à mon âge. Ça me fait vraiment vraiment hyper plaisir. Donc merci à vous tous et à toutes. Donc ce ne sera pas le seul concours dans les mois à venir. J'en ai quand même pas mal de prévus, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce les filles, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook, le Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous bonne chance pour participer à mon concours, j'espère que vous allez gagner. Dans une semaine les résultats paraîtront sur ma chaîne. Sur ce je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous, encore une fois bonne chance et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.